Donc en fait, j'aimerais qu'on essaye de développer deux facteurs de x plus y. Voilà. Et je voudrais qu'on essaie de voir. Alors déjà, on n'arrive pas à voir, là je suis trop haut. Donc je mets deux facteurs de x plus y. Voilà, là j'ai l'impression qu'on voit mieux. Alors, L'idée, c'est dans un premier temps d'essayer de reproduire ça avec des cartes. comme il y a deux termes, en fait, je vais mettre ici deux fois, sachant qu'ici c'est une multiplication. Là aussi, je vais mettre deux fois. Pourquoi? Parce qu'il y a un terme là, un terme là. On va voir après pourquoi. Et en fait, il me faut une carte pour x, une carte pour plus et une carte pour y. Voilà, je l'ai vraiment reproduit ici. Et je vais mettre une belle parenthèse. Ok. L'idée, c'est d'apprendre à le faire simplement avec l'aide des cartes. Dans un premier temps, je vais juste le faire sans parler. Donc, ça demande vraiment toute l'attention. On y va. Donc, faut pas hésiter à se la repasser pour revoir lentement comment j'ai fait. L'explication avec des mots maintenant. J'efface. Je vais remettre tel que c'était. Donc il s'agit de distribuer. En fait, ce qui est marrant, c'est que distribuer autant sur une feuille, on ne le voit pas vraiment. On peut le faire éventuellement comme on fait d'habitude. On regarde ce chiffre et on va le multiplier avec d'abord celui-ci. Ensuite, on va mettre le signe et dans un deuxième temps, on va multiplier avec celui-là. L'avantage des cartes, c'est quand même que la notion de distribution, on la voit bien ici. Parce qu'ici, il y a plusieurs cartes, c'est comme un jeu de cartes. Et distribuer, tout le monde sait ce que ça veut dire. Donc j'ai un tas de cartes et je le distribue. Et là, c'est exactement ce que je fais. Je prends d'abord cette carte-là, une première, que je distribue d'abord sur lui. Ensuite, regardez, on va de gauche à droite. Et celle-ci que je distribue sur le Y. Donc l'avantage de ça, c'est qu'il s'agit en fait de faire noter en même temps le résultat des cartes qu'on voit ici. Donc on peut les mettre juste en dessous. Et là on fait noter ce qu'on voit, tout simplement. Sauf que ça en mathématiques, à partir d'un certain niveau, je pense notamment au quatrième, même le cinquième, il me semble, le font déjà.
Mais en fait, le 2 fois x, on ne note plus. On note ça 2x, c'est 2 fois y. Et vous voyez que les cartes s'y prêtent vraiment très très bien. Le 2 fois y se change en y. À la limite, vous le faites descendre. Et en fait, on s'aperçoit que ça donne 2x, 2y. Voilà, dites-moi si c'est plus simple comme ça. Alors évidemment, moi je le fais au tableau, mais vous pouvez très bien le faire sur votre feuille, puisqu'il vous suffit de découper les cartes. Et pour les laisser comme je l'ai fait, vous les mettez juste en dessous et vous ne faites que recopier. Voilà, faut voir si c'est plus simple comme ça ou pas. Moi je pense que c'est... Quand on ne connaît pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple et plus parlant, en manipulant. Ravi.